Est-ce la fin du crime parfait? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Il a commis de multiples braquages, s'est évadé deux fois de prison dans des conditions dignes des plus grands films d'action et a fait le tour des plateaux de télévision pour vendre un livre dans lequel il se présentait comme repenti, alors qu'il était en même temps impliqué dans le meurtre d'une policière municipale. Cette histoire, aussi macabre que rocambolesque, que nous allons décrypter avec le professeur de criminologie, Alain Bauer, est celle d'un criminel hors norme, d'abord par sa personnalité, mais aussi par sa détermination. Affaire Redouane Faïd, serial braqueur, c'est un film de Jean-Pierre Vergès. Réau, c'est une prison au plein milieu quasiment des champs, en Seine-et-Marne, au milieu de nulle part. C'est une prison du nouveau programme pénitentiaire du ministère de la Justice. Et donc c'est assez pimpant, il y a des couleurs jaunes, oranges, enfin, c'est assez moderne et propre. C'est une prison qui n'est pas connue pour être une passoire, au contraire. Il y a des détenus particulièrement surveillés, il y a des bandits de haut vol. On est le 1er juillet 2018, il est 11h20, c'est l'heure des visites de famille. Il y a des parloirs qui sont en cours, des surveillants qui sont dans les miradors entendent un bruit, c'est comme un film en fait, un bruit de pales, puisque c'est un appareil assez bruyant, un hélicoptère Alouette qui arrive, qui se positionne au-dessus de la cour d'honneur de la prison. À un endroit où il n'y a pas de filin. Il est hors de vue des miradors une fois qu'il est posé. Il est quasiment inatteignable. Les surveillants téléphonent, alors c'est quasiment un gag en fait, c'est-à-dire qu'ils essayent d'appeler le commissariat local. Normalement, il devrait y avoir une ligne directe sécurisée, mais elle ne fonctionne pas ce jour-là. Alors il y a deux hommes qui vont sortir de l'hélicoptère, ils sont habillés en tenue commando, en noir, avec des cagoules. Ils portent tous les deux des kalachnikovs. Une disqueuse thermique pour pouvoir ouvrir les portes. Alors dans l'hélicoptère, il y a un troisième membre du commando qui est présent avec une arme de poing. Le pilote de l'hélicoptère est retenu en otage, donc il n'y a pas de possibilité d'entraver, de stopper ou d'annuler l'action qui est en cours. Les malfaiteurs vont immédiatement se diriger vers une porte assez discrète, une porte d'intervention en cas de mutinerie. Le commando découpe cette porte blindée en moins d'une minute avec cette énorme scie circulaire et ensuite va gagner les parloirs. Alors, le commando se dirige quasiment sans hésitation jusqu'à un des derniers parloirs. Et là se trouve Redouane Faïd avec un de ses frères. Alors, Redouane Faïd, c'est une vedette du banditisme. C'est un braqueur spécialisé dans ce qui était très à la mode à la fin des années 1990, c'est-à-dire les braquages de fourgons blindés. C'est un voyou qui s'inscrit au fichier du grand banditisme, qui est un détenu particulièrement surveillé, incarcéré pour de nombreuses affaires, hein, de braquage, d'association de malfaiteurs, d'extorsion de fonds, qui a toujours manifesté son souhait de s'évader. Le commando s'approche du dernier parloir. De l'autre côté, Redouane Faïd va taper sur la porte et alerter en fait le commando. Et là, encore un coup de scie circulaire pour ouvrir. Redouane Faïd est libre en quelques secondes. Le commando plus Redouane Faïd remonte dans l'hélicoptère. Redouane Faïd va faire un signe très cinématographique, un salut comme ça, un peu à l'assistance. Évasion spectaculaire à la prison de Rio. L'évasion a duré 7 minutes 33 exactement, ce qui est quand même assez exceptionnel vu le parcours qu'il y avait à faire, les obstacles qu'il fallait franchir, les portes à découper. C'est une évasion sans le moindre coup de feu, presque, on aurait envie de dire, en douceur. Donc l'hélicoptère va se poser moins de 2 heures plus tard dans la zone autour de Gonesse et de l'aéroport Charles de Gaulle. Redouane Faïd, il sait qu'à proximité des aéroports, les hélicoptères, la gendarmerie par exemple, auront des difficultés à s'insérer au milieu du trafic aérien. Il y a une voiture qui va arriver très vite, d'ailleurs, qui c'est encore très spectaculaire, qui va défoncer une barrière pour venir chercher le commando qui a extrait Redouane Faïd. Le commando laisse le pilote libre et ensuite ils se dirigent vers le centre commercial Paris Nord et ils vont dans le parking souterrain pour échanger de véhicules. Des caméras de surveillance vont identifier un petit utilitaire hein, où on va clairement reconnaître la silhouette de Redouane Faïd.
avant que ce même véhicule ne soit retrouvé incendié. Et la trace de, à la fois du commando et du fugitif va disparaître peu de temps après. C'est la stupeur quand on apprend qu'il s'est évadé dans des conditions qui sont celles d'un film hollywoodien, en fin de compte, hein, avec un hélicoptère, des complices, des voitures relais. Donc on a vraiment affaire à une action d'envergure. L'hélicoptère sera retrouvé partiellement incendié à une cinquantaine de kilomètres de là, à Gonesse. Le pilote pris en otage est sain et sauf. Dans cette fuite, aucun blessé, heureusement, mais la question de la sécurité est posée dans ce centre pénitentiaire récent et que les complices connaissaient visiblement bien. Il y avait eu beaucoup de signes avant-coureurs de cette évasion. D'abord, des vols de drones au-dessus de cette prison qui avaient été signalés à la police, qui étaient concomitants à l'arrivée de Redouane Faïd dans les lieux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de vol de drone avant. Certains surveillants ont aussi décrit un Redouane Faïd qui semblait mesurer, marcher en comptant les pas et les distances entre certaines zones de la prison. Et d'ailleurs, la direction du centre pénitentiaire de Réau avait demandé le transfert ultra rapide de Redouane Faïd. Cette demande est restée lettre morte. Il a eu le temps de s'évader. C'est une affaire sensible. Et bien évidemment, les plus hautes autorités, qu'elles soient policières, judiciaires, administratives, politiques, attendent des réponses. C'est une affaire qui va faire la une des médias, début de scandale. On voit à l'époque la ministre de la Justice qui va venir très tôt sur les lieux. Il va y avoir aussi une commission pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. C'est l'alerte à l'alerte générale en Île-de-France. Tous les services de police essaient de retrouver Redouane Faïd. C'est l'ennemi public qui est de nouveau libre. Redouane Faïd, il a lancé un défi à l'autorité, au monde judiciaire, au monde policier, au monde politique. Donc on a la pression du sportif de haut niveau qui commence un match pour le gagner, c'est possible. Vous avez pas moins d'une petite centaine d'enquêteurs de police judiciaire qui, pendant plusieurs semaines, ne vont travailler que sur cette enquête. L'hélicoptère fait partie des axes de recherche, et c'est bien normal. Donc on l'identifie, on voit qu'il arrive de l'aérodrome de Loy. En fait, le pilote avait été contacté par des gens qui voulaient faire un baptême de l'air. Et alors que le vol se passait relativement bien, il y a des malfaiteurs qui va se révéler être un des membres du commando, a prétexté une envie pressante pour faire poser l'hélicoptère sur une petite zone qui avait été convenue à l'avance. Hein. Ils me font descendre de l'hélicoptère, ils me prennent en joue avec des armes et des coups de crosse et m'expliquent ce qu'on allait faire et leur choix d'aller chercher un ami à la prison de Réau. Et ils m'expliquent qu'il faut que j'obtempère, sinon ma famille serait certainement menacée et que quelqu'un était devant chez moi. Après l'évasion, on n'a pas de piste. On ne sait pas où est-ce que Redouane Faïd a pu aller. Il a pu aller à l'étranger. Hein. Et il peut être très bien à 15 ou 20 km de Réau. En fait, on n'en sait rien. Dans les jours qui suivent, le 7 juillet, en forêt d'Alate, non loin de Creil, en fin de compte, de là où il a fait ses premières armes, de là où il a grandi, un promeneur en forêt va voir des individus qui ont un comportement un peu bizarre. Et il va trouver des sacs, il va tomber sur tout un matériel, des fusils d'assaut et aussi une énorme disqueuse qui a été utilisée à la prison de Réau. Et puis il y a un haut de survêtement orange extrêmement visible qui est, toute probabilité, celui que portait Redouane Faïd au moment où il s'est évadé de la prison de Réau. Ce qui s'est passé visiblement, c'est que des complices étaient chargés d'enterrer ces armes en forêt. Et là, ils ont été gênés et ont fait tout abandonner d'une manière extrêmement imprudente, il faut le dire. On se dit que peut-être c'est plutôt son entourage familial qui vient l'aider parce qu'il n'y a pas forcément d'autres gens qui étaient prêts à se mouiller pour un individu qui va mobiliser sur lui tous les flics de France.
qu'on voit qu'il y a certains de ses frères ou certains de ses neveux qu'on soupçonne d'avoir participé à l'évasion et qui sont maintenant, comme lui, devenus des fugitifs. C'est-à-dire qu'on dit, on n'est plus en train de rechercher un fugitif, mais on est en train d'en rechercher 4 ou 5. Mais on est sur la bonne piste. C'est vraiment une caractéristique de la vie de Redouane Faïd. Hein. C'est Redouane Faïd et Fabili, quoi. Le 24 juillet, sur un contrôle de la gendarmerie, une chasse va s'opérer de deux individus qui étaient à bord d'une Renault Laguna qui ne veulent pas se laisser contrôler, qui vont finir dans un centre commercial du côté de Sarcelles. Et ils vont être d'ailleurs filmés par de nombreuses caméras de surveillance. Il s'agit de Redouane Faïd et son frère Rachid, qui est très, très reconnaissable. Et ils se mettent à courir un peu partout, dans Sarcelles, jusqu'à disparaître. Il y a tout un tas d'investigations qui sont lancées, bien évidemment, sur la téléphonie, sur les réseaux sociaux. On arrive à retrouver dans Paris un cybercafé, et dans ce cybercafé, il y a de la vidéo. Et on va tomber sur des images de Redouane Faïd et de son frère, Rachid. C'est des images qui sont assez insolites parce que c'est l'homme le plus recherché de France à ce moment-là. Il est là avec juste une casquette, finalement, en train de plaisanter avec le commerçant, d'être tout à fait détendu, en apparence. Ouais. Dans la même veine, les enquêteurs vont tomber sur d'autres images de vidéosurveillance où on voit Redouane Faïd et son frère qui remontent les grands boulevards de l'Opéra à la République d'une manière très décontractée, en train de faire des courses. On ne pourrait pas imaginer qu'il s'agit d'une personne en cavale, quoi. C'est assez incroyable. Et puis, surtout, c'est peut-être une manière de narguer la police. On ne peut pas rester terré dans la forêt. Il faut sortir pour vivre, ne serait-ce que pour essayer de reprendre contact avec des gens du banditisme, pour monter sur des braquages, pour faire du trafic de stupéfiants. C'est ça le nerf de la guerre, c'est faire de l'argent. Il est dans l'Oise, il est sur Paris, il est là. Et on a toujours un petit coup de retard, malgré tout. On sait où est-ce qu'il faut concentrer nos recherches. Là où il faut mettre les policiers, les surveillances qu'il faut opérer, sur les proches, hein, parce que c'est une espèce de toile d'araignée, en fin de compte, qu'on va tisser, en espérant qu'ils finissent par s'y prendre. Début octobre 2018, il y a un renseignement absolument providentiel, hein, arrive à la police judiciaire. On a une information sur la présence rue Carpeaux à Creil, hein, un secteur parfaitement connu de Redouane Faïd, d'une jeune femme qui est accompagnée d'un individu porteur d'une burqa. Et le signalement est suffisamment précis, puisqu'il va relater qu'en fin de compte, la personne qui est sous la burqa, de grande taille, pourrait très bien ne pas être une femme, mais plutôt un homme. La jeune femme qui accompagne l'individu en burqa, on va comprendre qu'en fin de compte, elle a des liens avec de la famille de Redouane Faïd. On essaye d'identifier les véhicules qui peuvent être utilisés par cette jeune femme qui véhicule cet individu en burqa. On va passer des coups de fil discrets, on part au milieu de la nuit, on est dans des petits villages de l'Oise, avec des voitures qui s'arrêtent au milieu de nulle part, ce qui rend ces filatures extrêmement difficiles, et ce qui semble évidemment indiquer que c'est Redouane Faïd. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, vers 4 heures du matin, c'est un faisceau d'indices qui nous laisse à penser que c'est lui qui est rentré dans l'immeuble. Et à compter du moment où il est rentré dans l'immeuble, on se dit qu'il ne peut plus en sortir. Donc, c'est maintenant. On a identifié deux appartements dans lesquels il peut avoir trouvé refuge. Et dans un des deux appartements, on va le récupérer alors qu'il était endormi. Alors l'interpellation est ultra rapide, personne n'a le temps de réagir. Il y a des armes qui sont là, il y a un pistolet mitrailleur, et puis à côté de la table de chevet de Redouane Faïd, il y a une sorte de revolver magnum, mais Redouane Faïd ne va pas s'en saisir. La seule option, c'est de se faire menotter, ce qu'il fait. Il y a des photos qui vont être prises, qui sont un peu d'ailleurs un peu dégradantes pour lui, puisqu'on le voit les traits tirés, c'est la fin de la cavale, il est à bout, les policiers diront qu'il a beaucoup maigri, qu'il semble au bout du rouleau. Il y a son frère Rachid et un neveu, plus une jeune femme qui est la locataire de l'appartement et qui hébergeait en fait Redouane Faïd.
Donc c'est le jackpot, parce qu'on a à la fois le fugitif, le noyau dur de ceux qui l'ont fait évader à Réau le 1er juillet, de ceux qui l'ont accompagné dans sa cavale. Il est avec les gens dont il pense qu'ils ne vont jamais le trahir. C'est pas forcément lui qui a été mauvais, c'est plutôt nous qui avons été bons. On est heureux, ouais. C'est une finale de Coupe du Monde, mais qu'on a gagné celle-là. Quand on est flic, quand on embrasse ce métier, quand on fait ce job, on le fait pour des affaires de ce niveau-là. Redouane Faïd s'est évadé de prison en hélicoptère de manière extrêmement spectaculaire et sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré. Alain, quelles sont les règles d'intervention quand un détenu tente de s'évader ? Alors, il faut d'abord souligner que l'administration pénitentiaire a été dotée au cours des dernières années d'un relativement efficace service du renseignement pénitentiaire qui permet à la fois d'obtenir des renseignements par des sources humaines et d'effectuer de nombreuses interceptions, ce qui évite un grand nombre d'évasions ou de tentatives d'intrusion, ce qui arrive aussi dans les prisons. Dans le cas des évasions, un protocole particulier a été prévu par la réglementation des prisons qui permet de répondre en fonction de la gravité des peines des détenus et du type de prison. Il faut savoir qu'il y a une gradation dans les établissements pénitentiaires de répondre à ce type d'événement. Les gardiens ont-ils le droit de tirer ? Oui, l'article L227.1 du Code de l'administration pénitentiaire prévoit que les personnels de surveillance peuvent être armés. En fait, pas tous les personnels. On a limité le port d'armes aux gardiens des miradors afin d'éviter que les gardiens ordinaires soient pris en otage ou agressés pour obtenir des armes qui pourraient permettre des séquestrations ou des tentatives d'évasion. Les dispositions permettant d'utiliser les armes prévoient que il faut se limiter à ce qui est strictement et absolument nécessaire en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Dans les cas, ils peuvent faire usage d'une arme à feu en cas d'absolue nécessité et de matière strictement proportionnée. C'est en fait extrêmement rare. Que risque-t-on quand on s'évade ? Alors ça dépend du type d'évasion, mais lorsqu'elle est réalisée par violence, par effraction, par corruption, au moyen d'une arme ou d'explosifs, les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Elles se cumulent dans la limite du maximum légal de la peine que le détenu était en train de purger. Ça s'appelle le cumul sans confusion. À noter que les personnes qui ont aidé le détenu risquent gros, elles aussi, jusqu'à 15 ans de prison, par exemple, si c'est un membre de l'administration pénitentiaire. Avec son évasion, sa cavale, puis son arrestation, Redouane Faïd fait la une de l'actualité, d'autant plus qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Redouane Faïd est né en 1972 à Creil, en Picardie. C'est une ville ouvrière. On a un quartier surélevé de la ville qu'on appelle le Plateau, qui est une cité avec pas mal de trafic en tout genre qui se déroule dans ce quartier-là. La famille va habiter rue Guynemer pendant longtemps. Il y a 10 frères et sœurs, Redouane Faïd est l'avant-dernier. On va dire qu'il était un peu le petit chouchou de ses parents. C'était un adolescent extraverti qui faisait rire tout le monde. Il allait à l'école, mais c'était pas quelqu'un de particulièrement brillant. Ça m'avait quand même marqué qu'il avait évoqué la possibilité de devenir commissaire de police. Alors, ce qui est assez particulier quand on voit comment les choses ont tourné, mais pourquoi pas. Il raconte que quand il était enfant, il se faisait enfermer dans le supermarché la nuit pour pouvoir voler tous les bonbons qu'il voulait. Et puis ensuite, des vols de caddies remplis, puis des cambriolages au domicile. Mais il ne va jamais être pris dans cette période-là. C'est ce qu'il dira d'ailleurs. Si j'avais été arrêté à cette époque-là, peut-être que ma vie aurait été différente. Il est en train de dévier, donc sa mère l'inscrit dans un lycée privé à Chantilly. Et en fait, il est vraiment déjà en réalité engagé à ce moment-là dans la délinquance. Hein. Il parle d'un braquage qu'il aurait fait à 18 ans au Crédit du Nord, dans sa ville de Creil. D'ailleurs, il dira qu'il avait demandé à ses camarades, pour le couvrir, de noter la feuille de présence au lycée, ce qui est un détail important parce qu'on se rendra compte que dans plusieurs de ses affaires, il a ce souci du détail de se trouver des alibis. Il y avait un côté... L'école, c'est bien, mais ça va pas assez vite, quoi. L'ascenseur social, là, il n'est pas assez rapide. Moi, je connais un ascenseur, c'est pas très social, mais ça va beaucoup plus vite. Voilà, il y avait ce côté-là chez lui.
À cette époque-là, ils montent en gamme et dans des faits de plus en plus graves. Il est à fond dans ce que les policiers appellent des saucissonnages, c'est-à-dire des attaques à domicile de personnes. Le 20 décembre 1995, un homme déguisé en Père Noël va frapper au domicile du directeur de la BNP de Creil. C'est l'épouse qui va ouvrir la porte et le Père Noël va s'engouffrer au domicile. Il y a une arme qui est exhibée et des personnages qui rentrent avec des masques en latex, des masques de personnalités politiques, à l'image du film américain Point Break, où en fait les braqueurs, surfeurs portent des images d'anciens présidents américains, Nixon, Carter, etc. Ce qu'il souhaite, c'est le lendemain matin, aller à la banque pour pouvoir dérober les valeurs dans le coffre. Donc ils vont avoir un certain nombre d'heures à passer ensemble. Le Père Noël va faire des distributions de bonbons aux enfants, de bandes dessinées et aussi de cartes de Noël. Le lendemain matin, Redouane Faïd va partir avec le directeur de la banque à l'agence bancaire de Creil. Il va évidemment lui demander de couper les systèmes d'alarme et s'emparer de 195 000 francs à l'époque, ce qui fait à peu près 30 000 euros. Un policier m'avait dit qu'il trouvait que Redouane Faïd vivait un peu dans un monde onirique de cinéma, de mise en scène. Il aime les films de Michael Mann, c'est des films de gangsters très réalistes. Il va dire d'ailleurs qu'il s'en est beaucoup inspiré dans ses braquages. On est le 3 juillet 1997, à Villepinte, chemin du Loup, avec quelque chose de prédateur qui était annoncé. Le fourgon radial donc arrive avec des sommes importantes à bord et trois véhicules vont bloquer, neutraliser le fourgon radial. Les malfaiteurs avaient des lance-roquettes anti-chars, ils avaient des kalachnikovs et ils avaient des masques de hockeyeurs. Il a une double fonction, le masque. Hein. Éviter d'être reconnu. Hein, et puis provoquer une angoisse, un stress. Ces masques de hockey, on les retrouve dans le film Heat de Michael Mann, où il y a une attaque de fourgon blindé qui est percutée par un camion. Et toutes ces scènes, en fait, vont être reproduites par Redouane Faïd. Les convoyeurs voient arriver une personne dont on sait aujourd'hui que c'était Faïd Redouane, qui vient coller le pain de plastique sur le pare-brise. Il leur dit, on va tout faire sauter. Et là, il n'y a aucune résistance parce qu'on se dit, on va exploser. Tout le monde descend et il les couche le long du fourgon. Il les attache avec du Cerflex et puis ils vont dérober les sacs de billets. L'opération va être perturbée par une patrouille là-bas qui arrive. Il va y avoir des échanges de coups de feu immédiatement. Redouane Faïd va être blessé. On a frôlé le drame à Villepinte avec les forces de police. Hein, parce que il y aurait pu avoir un policier qui reste sur le carreau. Ça va être un peu la débandade, même si ils s'emparent de 545 000 euros. Ils vont laisser beaucoup de traces, notamment dans un hôtel près de l'aéroport de Roissy, où ils ont été vus transférer des sacs avec des armes. Redouane Faïd va perdre du sang dans une voiture. Il laisse son ADN sur place, et ainsi que certains de ses complices. C'est un coup de fil anonyme qui vient dire il y a Redouane sur l'opération. Et c'est conforté par les analyses ADN. Il est en fuite. À la fin de l'année 1998, la gendarmerie de l'Oise reçoit un tuyau comme quoi Redouane Faïd s'apprête à s'enfuir en Israël parce qu'il fréquente à cette époque une Israélienne. Il a réservé des billets dans une agence de voyage de la Nuit de l'Opéra. À ce moment-là, un dispositif est mis autour de cette agence de voyage. Les policiers lui tombent dessus et vont l'interpeller. Le 23 mai 2002, on a le procès à la cour d'assises de Bobigny. L'avocat général le présentait comme le cerveau de l'opération, en lui disant on vous appelle doc dans la cité parce qu'on sait que vous avez des compétences, vous êtes un peu un docteur S braquage fourgon blindé.
Il a contesté, il a dit « c'est complètement idiot ». Son discours, c'est de dire « mais moi, bon, j'ai été là, j'ai été embringué dans cette histoire, mais je ne suis pas un braqueur de fourgon blindé ». Derrière la sympathie, on sent la manipulation. Il y a une capacité, il y a une savoir-faire pour créer l'empathie. Voilà, impressionnant, impressionnant. Le verdict a été de 15 ans de réclusion criminelle. Et à la même époque, il va être jugé pour ses affaires de saucissonnage dans l'Oise. Redouane Faïd, le chef de la bande dite des Ligoteurs, a été condamné hier soir à 12 ans de réclusion pour avoir réalisé 3 braquages dans l'Oise entre 1995 et 1997, cambriolages au cours desquels il ligotait ses victimes avant de s'emparer du butin. Pour mon frère Faïd Redouane, alors qu'il n'y a pas d'effusion de sang du tout, mais c'est quelle justice? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc là, pour Redouane Faïd, c'est la fin de sa première période délinquante. Il va être incarcéré. Une fois sa peine purgée, Redouane Faïd sort de prison, mais continue à faire parler de lui. Il écrit un livre dans lequel il se présente comme repenti, il fait le tour des plateaux de télévision, mais il berne tout le monde, car en réalité, il poursuit ses activités criminelles. Redouane Faïd sort de prison en 2009. Il a passé un peu plus de 10 ans en prison. Il a travaillé en prison, indemnisé ses victimes. Il a trouvé un emploi d'intérimaire à Paris, dans le BTP. Pendant tous les signaux sont au vert à l'époque. Il va écrire une autobiographie qui s'appelle « Braqueur, des cités au grand banditisme ». C'est un peu la vie rêvée de Redouane Faïd, hein, qui n'a pas de sang sur les mains, qui traite d'égal à égal avec les grands bandits, Francis le Belge, Antonio Ferrara, tous les vedettes du milieu. Voilà, c'est la promotion de Redouane Faïd, le grand bandit. Lui-même joue à un jeu qui consiste à laisser entendre qu'il a perpétré un certain nombre d'attaques de fourgons, puisque ça participe de sa légende. Donc il a l'intelligence dans son livre de faire parler le journaliste quand il y a certains faits pour lesquels il n'a pas été condamné. Mais du coup, ça laisse sous-entendre qu'il y a participé. Il a un énorme besoin de reconnaissance, sans doute du fait qu'il a grandi à Creil, dans une ville qui était en dehors, on va dire, des circuits traditionnels du grand banditisme français, et que lui, il a très mal vécu que la BRB, notamment à Paris, ne le reconnaissait pas comme un grand voyou. Et lui, il s'est toujours rêvé et affiché en grand voyou. Alors quand il sort ce livre, il est invité absolument partout, sur tous les plateaux. On s'arrache Redouane Faïd, c'est vraiment le bon client qui passe bien. Il a ce physique, voilà, ses costumes de bonne marque, une sorte de faconde comme ça. Et puis surtout, il est dans la rédemption, donc les gens l'adorent. Il regrette tout ce qu'il a fait. Il y a deux chemins, c'est soit tu prends une balle comme sur l'attaque du fourgon blindé, ou soit tu te fais arrêter par la police. Ouais. Moi, bon, je me suis fait arrêter, hein, j'ai pas envie de dire Dieu merci, mais presque. Et puis bon, bah, ça m'a servi un petit peu à stopper tout ça, à arrêter tout ça, à réfléchir. Et puis. Et c'est une page qui est définitivement tournée aujourd'hui, ça vous pouvez le jurer, vous ne retomberez jamais. Ah, bon, en tout cas, ce que je sais, c'est que mes démons ne sont pas endormis, mais sont complètement morts. Ouais. Il est très showbiz à ce moment-là, Redouane Faïd. Il y a des metteurs en scène, des scénaristes, des acteurs qui le côtoient. Il foisonne de projets, d'adaptations, de conseils sur des films. Voilà, donc il est très, très, très actif. Le personnage qu'il essaye de s'inventer, pour moi, ça, c'est un personnage en carton-pâte. Ça frise un peu le ridicule. En plus, dans le milieu du banditisme, c'est très mal vu, cette tendance à la gloriole à travers son livre. Ça, c'est pas possible. Certains policiers ont pensé qu'il avait écrit ce livre comme une sorte de couverture alors qu'il était engagé dans des activités plus que louches, puisqu'à cette époque-là, la police judiciaire de Paris travaille autour de lui pour une affaire de braquage raté sanglant. Le 20 mai 2010, à Créteil, deux policiers voient un fourgon qui leur semble suspect parce qu'il y a un trou dans la portière arrière. Un trou qui leur fait penser à un impact de balle. Donc ils décident de contrôler ce fourgon, qui est arrêté à un feu. Et le fourgon part très vite, et il va s'en suivre une poursuite incroyable, puisque sur l'autoroute A4, d'abord, les malfaiteurs vont lancer des projectiles sur le véhicule de police, puis ils vont vider des extincteurs pour les faire s'arrêter, puis un individu cagoulé va ouvrir la porte arrière et va tirer à la Kalachnikov sur le véhicule de police. On compte 90 cartouches de Kalachnikov tirées sur le véhicule de police. C'est incroyable.
Dans la fusillade, il y a des automobilistes blessés. On est passé près du carnage. Finalement, le fourgon sort à la sortie Villiers-sur-Marne. Les malfaiteurs, tranquillement, sortent du fourgon et déchargent des cadres explosifs et ils braquent un véhicule pour partir avec. Ils incendient leur fourgon pour effacer les traces. Et la police municipale arrive en voiture et va se retrouver véritablement à un mètre de la voiture où se trouvent les malfrats. Et immédiatement, ils vont tirer sur ces deux policiers. C'est un déluge de balles. Une jeune policière va être touchée à la tête et à plusieurs reprises. L'hélicoptère du SAMU vient d'emmener la policière dans un état désespéré. Cette jeune femme, qui quelques minutes plus tôt a juste voulu porter secours aux occupants de ce fourgon accidenté, mais de cette carcasse sortent plusieurs hommes cagoulés qui ouvrent le feu au fusil mitrailleur. Le véhicule de police municipale est perforé de part en part. Le bilan final est lourd. En plus de la jeune policière, deux autres policiers et cinq automobilistes ont été blessés. La jeune policière municipale va mourir dans la matinée. Elle s'appelle Aurélie Fouquet, elle a 26 ans, une jeune femme appréciée de tout le monde. Aurélie Fouquet, c'est la vie. C'est l'opposé d'une guerrière ou d'une combattante. Et quand elle était rentrée dans la police municipale, elle avait découvert sa vocation. Elle passait sa vie à aider les autres. Elle avait ça chevillé au corps. Les médias en parlent beaucoup puisqu'elle devient un peu le symbole de la victime innocente. Le président Sarkozy sera à ses funérailles. Lors de la fusillade avec la police municipale, le collègue d'Aurélie Fouquet a touché un des braqueurs qui a beaucoup saigné. L'ADN va être identifié comme appartenant à un certain Olivier Tracoula, qui est une sorte de petit braqueur né à Creil. Il a fréquenté Redouane Faïd en prison et surtout, il a ouvert une boîte de BTP avec un des frères de Redouane Faïd. Dans la voiture qui a été laissée à Villiers-sur-Marne, on a l'ADN de Faisal Faïd, le frère de Redouane Faïd. Et Faisal Faïd a quitté la France le lendemain de la fusillade et il est parti en Algérie, alors que Faisal Faïd n'avait aucun lien avec l'Algérie. On va se rendre compte que les malfaiteurs étaient en fait surveillés par la police. Ils avaient eu une balise GPS qui était posée sur un de leurs véhicules. Grâce à la balise GPS, la BRB va pouvoir retracer le parcours des braqueurs et va se rendre compte que la veille de la fusillade de Villiers-sur-Marne, il y a eu un arrêt dans une station-service de l'autoroute du Nord, tout près de Paris. Et à ce moment-là, les policiers vont mettre la main sur les vidéosurveillances et vont se rendre compte qu'il y avait un convoi avec d'abord une Mégane et puis deux camionnettes et un camion. Et la personne qui conduit la Mégane va faire le plein et va ensuite payer. Et elle apparaît très visiblement sur la vidéosurveillance comme étant Redouane Faïd. Ce qui semble indiquer que c'est lui qui dirigeait les opérations du commando. Au mois de janvier 2011, la BRB lance un vaste coup de filet sur toutes les personnes qui ont été identifiées dans cette affaire et notamment essaye d'interpeller Faïd Redouane, qui est considéré comme le cerveau de l'affaire. Et donc, quand ils vont arriver le matin à son domicile, eh bien, il est parti depuis la veille. Faïd disparaît et on va le retrouver, au contraire, sur une énième affaire d'attaque de fourgon blindé à Roclincourt, près d'Arras. Braquage assez bien réalisé, avec tout un scénario, un faux accident, des cônes de sécurité, un ralentissement qui fait que le fourgon est arrivé directement entre les mains des malfaiteurs qui n'ont plus eu qu'à finalement à se faire remettre l'argent après avoir fait exploser le blindage. On est certain qu'ils ont empoché à peu près 2 millions d'euros au cours de l'action. Et puis, on va avoir un renseignement qui concerne notamment Redouane Faïd comme chef du commando et Saïd Aghouni comme responsable de la logistique. C'est quelqu'un qui est fasciné par Redouane Faïd. Ça, c'est un trait psychologique qu'on va trouver chez beaucoup de complices de Redouane Faïd. Ce renseignement, qui est très bon, aboutit en quelques jours à l'interpellation de Redouane Faïd, l'homme le plus recherché de France, et de Saïd Aghouni, donc ils sont en plus ensemble, à un snack qui se trouve à Villeneuve-d'Ascq, au pied d'un métro. Quand on va interpeller Redouane Faïd, chose complètement inattendue, on va trouver une liasse de billets, et cette liasse de billets vient du fourgon d'Arras. Il dit qu'il n'était pas sur cette attaque, et il dit que quelqu'un lui a donné la liasse de billets qu'il avait sur lui.
Chez Redouane Faïd, il y a une obsession. Cette obsession, c'est monter des attaques. Pas seulement gagner de l'argent. Défier le système, se montrer plus fort que le système. Il prend de l'adrénaline en s'approchant le plus près possible du danger et en se faisant peur. Il va à la frontière ultime. C'est la frontière d'être tué. Et sa satisfaction vient du fait d'être allé à la frontière ultime et d'avoir gagné. Redouane Faïd est de retour en prison en attendant ses procès dans l'attaque du fourgon de Roquelincourt et la fusillade de Villiers-sur-Marne. Mais il n'a aucune intention de se tenir tranquille. En 2013, Redouane Faïd arrive à la prison de Séquedin. Il a été transféré parce qu'on le soupçonne de préparer une évasion à Fresnes, où il était incarcéré auparavant. Donc on sait que cet individu n'a qu'une chose en tête, c'est s'évader. Redouane Faïd, c'est un détenu modèle avec lequel les surveillants aiment bien parler. Sympathique, absolument réglo, donc créant aucun problème, et prêt même à rendre service, à se servir de son autorité pour calmer ce qu'on appelle les petits jeunes. Lui, il le fait par utilité, mais ça marche. Le 13 avril 2013, Redouane Faïd sort de sa cellule. Il va très tranquillement au parloir famille, voir son frère. Il descend avec un baluchon parce que vous pouvez des fois ramener du linge sale pour que vos familles le lavent. Lui salue tranquillement les surveillants. Il se mêle aux autres détenus. Par contre, à un moment donné dans le vestiaire, quand il va commencer à s'habiller, il va mettre un bonnet. Ce bonnet va lui servir à changer tout de suite de visage. Il a une arme de poing. Ça y est, il a endossé son costume de braqueur. Et là, il va s'en prendre à une surveillante et il la menace. Redouane Faïd va tirer une balle pour montrer que c'est une arme réelle. Il va prendre en otage trois surveillants. Il va arriver dans une première salle qui est proche du parloir et on se rend compte qu'il a absolument tout préparé, c'est-à-dire qu'il a des scotchs en fait, avec des détonateurs, des explosifs accrochés sur lui. Il a son arme qui est accrochée avec une ficelle autour de son cou. Il va faire sauter une première porte avec des explosifs. C'est extrêmement spectaculaire. Les surveillants, au début, temporisent. Et puis, dès qu'il y a la première explosion, ils temporisent rien du tout. Ils sont comme des chiffons. Il les attrape, il leur fait faire ce qu'il veut. Il n'arrêtait pas de leur dire « Non, vous risquez rien, je vais pas vous tuer, tout va bien se passer. » Enfin, il est quasiment une sorte de mère poule. Restez sage et tout se passera bien. Quoi. Il a cette grande phrase pour « ça vaut pas le coup, vous risquez votre vie pour le salaire que vous gagnez. » Il va mettre les surveillants autour de lui comme bouclier humain. Et il va se retrouver à un moment donné à l'extérieur face à une porte grillagée, faire sauter cette porte. Certains ont dit qu'il était quatre, ils auraient pu lui sauter dessus. Par exemple, quand il pose l'explosif, le pistolet est un peu dans l'autre main. Vous avez un pistolet en face de vous, oui, effectivement. Peut-être que s'il saute à quatre, il y en aura trois qui arriveront à l'avoir, mais il y en a peut-être un qui tourne une balle. Quoi. Ce qui est certain chez Redouane Faïd, c'est qu'il sait manier les explosifs, d'une façon même assez stupéfiante. Poser des explosifs contre une porte, c'est une chose. Ne pas se tuer en les posant et ne pas tuer les gens qui sont autour, c'est autre chose. C'est un artificier. Et puis, il va faire exploser la porte d'entrée, le sas, en fait. Il a ses surveillants en otage. Il va sortir avec eux dehors, devant la prison. La police est déjà là. Ils ne vont pas intervenir. Il en amène un otage avec lui jusqu'à une bretelle d'autoroute qui est juste à côté. Il va s'enfuir, être récupéré sur l'autoroute par un complice, abandonner son otage sur l'autoroute, et puis il disparaît. Ça s'est bien passé, donc on a tendance à dire bien joué. Mais il y aurait eu un incident, il y aurait des gens qui auraient été blessés, voire tués. Tout le monde aurait dit ces derniers des salauds. Quand j'apprends son évasion, je suis... Et voilà, c'est reparti. La procédure ne va jamais démontrer exactement comment il a fait rentrer les explosifs. Il apparaît de toute évidence qu'il a bénéficié de la complicité d'un surveillant. Le matériel est rentré probablement en plusieurs fois par des canaux différents. D'un côté, des munitions, peut-être de l'autre côté une arme, peut-être une troisième fois des explosifs. Il est probable que certains de ces canaux étaient totalement innocents. Les gens ont pu imaginer faire rentrer de la viande, du shit, et qu'à la place de la drogue, ce soit de l'explo, etc.
Les explosifs ont été entrés et cachés dans un local technique. Et le matin de l'évasion, Redon Faïd est sorti de sa cellule avec un sac de linge sale. Et c'est à ce moment-là qu'il avait ses armes avec lui. Et il y a forcément eu des défaillances puisqu'il aurait dû être fouillé à ce moment-là, mais il ne l'a pas été. Redon Faïd a réussi son coup. Son évasion à l'explosif de Sequedin, c'est un modèle. Son évasion à l'hélicoptère de Réau, ça rappelle les grandes heures des évasions en hélico. On est un peu dans les évasions de Messrine. Il a réussi à rentrer dans l'histoire du banditisme. Ce qui va ternir sa réputation, c'est la façon dont ses cavales vont se terminer. Ça va annuler tout le bénéfice de sa légende. Quand on a un faillite dans la nature, comment fait-on pour le rattraper? Eh bien, on fait le travail normal. D'abord, il y a des choses qui vont nous parvenir, comme quoi faillite, tout le monde le voit partout. Hein. Il est capable de faire parvenir à nos oreilles de fausses informations et donc de nous intoxiquer. C'est quand même fort. C'est ce qu'il va faire tout le long de sa cavale. Il y a des informations qui nous laissent à penser qu'il est toujours en région parisienne et surtout qu'il peut se trouver dans le secteur de Roissy, dans des hôtels, avec un complice qui peut l'aider dans sa cavale. Donc c'est contre-intuitif. Qu'est-ce qu'il fait en région parisienne alors qu'il est en cavale? Il est censé être à l'autre bout du monde. Il ne fait qu'en réalité décliner une méthodologie qui est faire semblant d'être loin alors qu'il est très près. Se fondre dans la population, dormir dans des hôtels, se faire passer pour un représentant, etc. Les recherches qu'on fait sur le secteur des hôtels de Roissy nous amènent à identifier un hôtel où il y a de la vidéo et on voit un individu qui récupère un ticket de parking pour rentrer dans l'hôtel et on identifie formellement Redon Faïd à cette occasion, même s'il est grimé et qu'il est porteur d'une perruque. Et autant Redon Faïd utilise des faux documents administratifs, autant l'individu qui l'accompagne, lui par contre, il a donné son nom pour louer cette chambre. Il s'appelle Hassan Bourroise qui n'est pas connu de nos services, qui ne fait pas partie du monde du banditisme. C'est ce qui fait la force de la cavale de Redon Faïd à ce moment-là, c'est qu'en fin de compte, il utilise quelqu'un auquel les policiers ne pourront pas s'intéresser parce que par définition, il n'existe pas. On se dit que c'est certainement un messager, un poisson pilote qu'il utilise pour le conduire, pour l'amener à des rendez-vous, pour les actes de la vie quotidienne, prendre une chambre d'hôtel. Le genre de choses. Donc, on va diffuser le nom de cet individu, notamment auprès des hôteliers. Le 28 mai 2013, la police judiciaire encercle un hôtel de Ponto Combo où Redon Faïd passe la nuit. L'approche de la porte d'entrée et l'ouverture de la porte d'entrée se fait relativement discrètement. Lui, il a une arme à proximité de lui, mais il va même pas tenter quoi que ce soit parce que c'est quelqu'un qui n'est pas suicidaire. Je pense qu'il sait très bien qu'il peut pas s'en sortir. Postiche sur la tête, bandeau sur les yeux, Redon Faïd est méconnaissable, entouré par deux policiers. Sa cavale vient de prendre fin. Avec un complice, il est rapidement évacué dans ses voitures banalisées. L'opération n'aura duré que quelques minutes. On sait que dans cette affaire, il a été balancé. Quelqu'un qui est recherché par toutes les polices devient une monnaie d'échange formidable pour un voyou qui va pouvoir se sortir d'affaire en dénonçant un faillite. Évidemment, c'est un renseignement qui a beaucoup de valeur. Donc c'est aussi la grande fragilité de Redon Faïd dès qu'il est en cavale. En 2016, Redon Faïd va être jugé pour complicité parce que la justice va lui reprocher d'avoir été l'instigateur d'un braquage qui n'a pas eu lieu, même si lui n'était pas sur la fusillade de Villiers-sur-Marne. Il y a énormément de presse. Tout le monde est venu voir le Redon Faïd, celui qui faisait des émissions de télé, qui avait fait un livre. Il pense qu'il peut être acquitté. Et vraiment, il porte beau. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je suis victime d'une erreur judiciaire, victime d'une terrible méprise. J'étais dans cette voiture complètement par hasard et je n'ai rien à y voir. Son grand drame, c'est le fait d'être associé à cette affaire absolument dramatique de Villiers-sur-Marne qui a coûté la vie à cette jeune policière municipale. C'est un braquage raté, de pieds nickelés, de gens qui se font repérer par la police avant même de monter au braquage. Lui qui se disait chirurgical, des opérations très bien menées, avec ses références hollywoodiennes, là, c'est un cauchemar, c'est parti complètement en vrille. Et le plus dur, c'est son frère qui a pété un câble et qui a défouraillé comme un dingue sur ses policiers.
Dans Hit, un des braqueurs tue un convoyeur alors que ça n'était pas du tout justifié. À Villiers-sur-Marne, il y a un des braqueurs qui a tué Aurélie Fouquet alors que c'était pas du tout justifié. Mais c'est son propre frère. Il a été condamné à 20 ans de réclusion. Redon Faïd, il a été condamné à 25 ans par la cour d'assises d'appel. Le 14 mars 2017 s'ouvre le procès de l'évasion de Sequedin. Redon Faïd est dans le box. L'image qu'il veut donner, c'est l'image de quelqu'un de très sympathique, très agréable, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Oui, c'est vrai, il s'évade, mais d'abord, il était victime d'injustice avant. Il n'a évidemment jamais tué personne. C'est à peine si même on se demande pourquoi il était condamné avant. Enfin oui, j'ai peut-être fait des vols, mais toujours très propre. Et je présente mes excuses aux surveillants si je leur ai fait peur. Mais vous savez, tout était sous contrôle. Voilà, c'est... Oui, c'est de charmeur. Dans toutes les affaires pour lesquelles il a été condamné, c'est quelqu'un qui dit systématiquement qu'il prend la mesure du traumatisme qu'il a causé, mais ça ne l'empêche pas de recommencer en tout cas. Donc Redon Faïd a été condamné sur l'évasion. Et donc là, il a écopé de 10 ans de prison. Et puis, il a été condamné sur l'affaire de l'attaque du fourgon blindé de Roclincourt. Il a été condamné à 17 ans en première instance et 28 ans la deuxième fois. C'est une peine sévère d'être condamné à 28 ans de prison. La justice a pris en compte le fait qu'au-delà du personnage romantique à qui tout un tas de jeunes filles écrivent des lettres parce qu'elles trouvent que c'est formidable, voilà, donc le personnage dont on parle à la télé, dans les documentaires, etc. Ce personnage, c'est quelqu'un qui utilise des armes pour s'attaquer à autrui, s'attaquer à l'État, etc., prend des otages au risque que ces gens soient tués. Ça n'est pas une foi, c'est une façon d'agir. La justice a fini par porter un regard objectif sur le personnage, en disant maintenant ça suffit. Pour l'ensemble de ses crimes et délits, Redon Faïd a donc écopé de 10, 25, puis 28 ans de prison. Alain, en France, les peines se cumulent-elles ? En général, non, sauf exception rare, les peines ne se cumulent pas. Mais il arrive lorsqu'un même accusé est poursuivi pour plusieurs crimes ou délits au cours d'un même procès, qu'on puisse cumuler les peines jusqu'au niveau maximum de la peine la plus élevée du crime le plus important pour lequel il va être condamné. Si on prend un exemple récent dans le cas Nordal-Lelandais, il a été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre d'Arthur Noyer et à la perpétuité, dont 22 ans de sûreté, pour celui de la jeune Maëlys. Il sera donc libérable à l'issue de cette dernière peine et pas après 42 ans. Si on prend par exemple la situation des États-Unis, là, toutes les peines sont cumulables et il est parfaitement possible d'être condamné à 1000 ans de prison. À la suite de ces condamnations, Redon Faïd est incarcéré dans une prison ultra sécurisée. Il se plaint de ses conditions de détention qui sont terribles. Effectivement, il ne voit pas la lumière du jour, il voit très peu de gens, il y a des plexiglas lors des parloirs. Mais en même temps, quelque part, s'il est dans ces conditions-là, c'est parce qu'il s'est évadé deux fois d'une manière aussi spectaculaire. C'est amusant, les gens qui n'assument rien. S'il avait accepté tout simplement le jeu normal de l'institution, aujourd'hui, il aurait des conditions de détention qui seraient parfaitement normales. Aujourd'hui, c'est une bête sauvage. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'enfermement et donc il est de plus en plus dangereux. C'est un homme qui nous a dit devant la cour d'assises, moi, 24 heures sur 24, je pense à sortir. Il est intelligent, il est très manipulateur, il sait mentir à tout le monde, il va encore s'évader, c'est évident. Redon Faïd est aujourd'hui l'un des détenus les plus surveillés de France. Il pourra prétendre à une libération en 2046.